petit, mes amis. Na vandi awana zone oyo banda le 22 décembre dengue le vie papa représentant de la ville de Kinshasa pate ezali deuxième semaine oyo na bondela na kati na esika bito vandi Soko le nafi moyen na yako bondela wanti na izali. Na vandi awana zone oyo banda le 22 décembre 1952. Na vandi na kati na zone oyo na fingi mwana mukete na kaife na ndako na mutute Le bacapé de Kamamabé n'a pas tout été. Soko, moi, n'a pas le biété, à Moto, à Figa Kingaï, à Ayake, Kouyiba, Bilok, Nangaï, à la Saraki, Motoana, Kosi. Tine na mutu Batangili visu Mukana matata nzambe Pwate Bameka kotangi la visu Mibeko e batangi na Ezekiel Batangi na Matai Oyo pwate batia mutu Na Lord Toki Tata ndenge ate visu Soko totali awa na kati na zone Visu ya ngiringiri Na kami si les trois quarts de la population ya zone oyo bazali bandimi. Oyo babengami ke bakretien. Ekokaki kozala na biso bakretien. Na elembo moko oyo ekokolakisa ete solo mutu oyo azali mundibi. Naoki papa bibi a kimbangisa 100%. Tolani nani nakanisi baba simo kimbangu asalaka ba operation ya ndenge na ndenge au point de vue spirituel alakisaki ate yakibisi kito akai na ye kosanisa mwana mokete akai na ye kosanisa mokolote mwana mwasite mwana mobalite riche ou beau pauvre Ou bien mutu ya bengeti azale intellectuel ou bien oya yekolite Asali mawo matinda ka yenkolo Babengye nani a simoki mbangu azali mazisia Babengye nani a simoki mbangu azali ndoki Ndokusepela kamingi soko yelova maka natina na bisuka kande pesinga mawa Kasi ndenge yango epesa mana pe na kolyezu babenga kaye imposteur na batuana na Israel babenga kaye imposteur c'est-à-dire muto bakoko benga ye magicien bien franc-maçon ou bien nganga kisi ou bien babengi ye ndoki lelo yo na kati na mokili mobimba babengi nani Dengenda no. Babengi dengenda franc-maçon. Babengi dengenda rosicrucien ou bien magicien. Mais quand on est babenga kanga no. Est-ce que awa tobwa ni bandoki bazalite? Hein? Hein? Na oke kutura balubi ebele. Bon ok hein? Hein? Mokana matata nzambe na mibeko balubi ete koboma te. Bandoki bazali soko bazali te. Est-ce que bandoki boko okanakana ngai? Opesa nga number réponse. Bino bandoki. Nye nye.
escapino bando kiboko kana kana ngai me pa ni bo kana ngai tena na ezali nde kona binu ndoki nie nie binu bando kibosale wa butu mula musafina dikolo. Au nom du Père, qui papa, qui solo kelelu kelo, du Fils, dit papa, dialungana kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, dit papa, diangenda kuntima, que nous avons venu écouter tout à l'heure. Et effectivement, papa diangenda kuntima, c'est papa Simon Kimbangu kiangani, l'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent. Sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani, le patron de la quatrième et dernière génération. Mes chers papas et mamans, ça fait à peu près, depuis le début de la semaine, j'ai pas eu l'occasion de venir échanger avec vous, ou bien de venir partager certaines opinions dans le cadre de cette communication du média kimbanguiste, c'est-à-dire des messagers pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu ou des activités du kimbanguisme. Eh bien, l'activité du kimbanguisme, comme qui dirait, l'actualité de Tata Kimbangu, c'est demain. Demain, nous serons le 23 du mois d'avril, en l'an 2023. Nous savons ce que c'est que l'année 2023. Depuis, sa divinité a déclaré le chiffre 5, 15 et 7. Ça fait donc le chiffre 23. Le 23e, 23, j'aime jour du 4 avril, ce mois où le ministère de Tata Kimbangu, l'action de la récupération de l'humain pour le mettre dans un état premier avait commencé un 6 avril 1921 en Kamba, la nouvelle cité de paix. Chers papas et mamans, je reviens donc, je viens en ce soir. Vous savez, j'ai commencé ma communication par cet oracle de sa divinité, Papa Mfumwa Longo Diengenda Kuntima, dans une commune qu'on appelle la commune de Ngiringiri. C'est une commune qui est très loin de la commune de Kazavu, où se trouve le centre d'accueil qui m'organise des conférences. Où se trouve actuellement sa divinité, Passimo Imam Kiangani, le patron de la catégorisation, chef spirituel et représentant légal du kimbanguisme. Et demain, il va se déplacer, à quelques encablures, donc, au centre d'accueil kimbanguiste, à la paroisse de Nyangara. La paroisse dite de Nyangara. Cette paroisse où Papa Diengenda Kuntima, donc, l'oracle que vous venez de suivre tout à l'heure, que j'ai introduit parce qu'il est disponible. Excusez-moi d'avoir interrompu, parce que ce dont je voulais faire évoquer ici, c'est par rapport à l'introduction qu'il a donnée. Il dit bien, depuis le 22 décembre 1952, Papa Diengenda Kuntima avait habité la commune de Ngiringiri. Ngiringiri, où se trouve la paroisse de Nyangara, qui sera inaugurée, le temple de Nyangara, qui sera inauguré demain, le 23 du 23e année, depuis qu'on a commencé l'an 2000. Papas et mamans, ce n'est pas anodin. Je vois mon frère. Papa, nous attendons les. Ma mère, maman Mouille m'a dit que le valet, je vois. Vous voyez ici, là ? Ça, c'est le symbolique de notre habilleur. Hein? Notre habilleur. La maison groom. Vous voyez ? C'est le symbolique. Je vais vous le mettre spécialement. On est le 105e année. Je vais mettre dans notre fond pour bien le voir parce que c'est important. C'est notre habilleur par excellence. Vous voyez ? Ça, c'est le 105e année. La maison groom. 105e année. Et comme par hasard, donc, Papa Mfumwa Longo, Simon Kimbangu Kiangani, va inaugurer le temple de Nyangara au 105e année de Papa Diengenda Kuntima. Papa Diengenda Kuntima, c'est lui le bâtisseur. La seconde disposition de Papa Simon Kimbangu. C'est comme je dis souvent, le second visage de Papa Simon Kimbangu, premier. Et donc, demain, Papa Simon Kimbangu, troisième, c'est là-bas qu'il était baptisé, à la commune de Ngiringiri, dans la paroisse de Nyangara. C'était lors de son 23e année, c'est-à-dire la disposition qu'il a actuellement, Papa Simon Kimbangu, et donc au 23e année, il était baptisé à la commune de Ngiringiri, donc dans la paroisse de Nyangara. Au 23e année de son présence physique, de sa troisième disposition, et en l'an 2023, il va aller inaugurer ce temple de Nyangara. Et vous savez, ce baptiste a été bâti sous la forme de petit, comme si c'était un petit temple de Nkamba, Nouvelle Jérusalem. Ce temple majestueux qui a 137 000 places, correspond à 137 000 familles déportées à l'époque du kimbanguisme. Chers papas et mamans,
Quelle fête, quelle gloire. Mais Niangara a une autre histoire. En tant que communicant, en tant que Nkwamazé de Bandombe, j'ai mené des recherches, j'ai posé des questions, j'ai consulté les anciens, et puis particulièrement les apôtres de Papa Diagnéda Gontima, qu'on appelle généralement souvent les musiciens. Les apôtres, moi j'appelle les séraphins de la Kimbangu, les apôtres de Papa Diagnéda Gontima. Et donc j'ai appelé cet après-midi un des apôtres de Papa Diagnéda Gontima, en région parisienne, qui m'a rapporté que Niangara a connu une histoire. À l'époque, il y avait une personne qui se faisait prévaloir être de la postérité de la Kimbangu, mais qui s'est révélée dans le mal, parce qu'il s'est dit qu'il se loquelait, mais qui s'est qu'il se loquelait dans le mal. S'il vous plaît. Ce qui se loquelait dans le mal, parce que qui se loquelait, c'est un peu dire qui se loquelait, moi je suis un qui se loquelait de l'Europe. C'est-à-dire que je suis devenu Kimbanguiste en Europe. Je me suis révélé être Tata Kimbangu en Europe. Donc, je sais qu'il se loquait, je sais qu'il se loquait là, en Tata Kimbangu. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai commencé à chanter de la chorale Papa qui se loquait le Loukelo. Papa qui se loquait à l'époque, CPK. Et donc, ce monsieur, ce personnage, s'est révélé dans le mal. Et c'est là-bas, à l'époque, il avait réuni un ensemble de jeunes en faisant des tournois de football et consorts. Bref, il faisait jouer, il rassemblait des jeunes Kimbanguistes par des activités que nous connaissons sportives. Et une fois Papa Fumalongo, Diangenda Kuntima, se déplaça là-bas. S'il vous plaît. Avant d'y arriver, parce que cet oracle de Papa Diangenda Kuntima, d'aucun homme mal interprété. Parce que Papa Diangenda, ce jour-là, il dira, qui tient Nani? C'est le chef de qui? Attention, le chef de qui? Et puis il ajouta, Mbalamoussou la tienne en Italie. Vous savez ce que ce personnage a fait une fois. Ce qu'il a fait bien plus tard. Il est allé en Italie. Et en Italie, vous savez ce qu'il a acquis là-bas comme connaissance. Et en rentrant par le Congo et Bandele Makamo, c'est là-bas où il a fait manger les gens du poulet. On l'appelait même, il a pris le qualificatif d'un surnom de, ce terri- de la capitale de ce territoire, de Romain. Vous savez que Rome, ce que c'est, la conspiration maléfique, machiavélique de Lucifer. Ceux qui ont porté le Christ Jésus avec un autre qualificatif. En disant, il m'expliquait pour valoir Jésus-Christ, mais heureusement, aujourd'hui, les intellectuels ont été éclairés par un éclairage absolu du conseiller direct de ça, depuis sa divinité, passement du monde, en l'occurrence, le professeur docteur Bitu Vuidi, qui nous a éclairé. Le Jésus en question, c'est pas le vrai. Le vrai Jésus, c'est pas de l'homme. Mais là-bas, ils ont mis, d'ailleurs, vous savez, cette conspiration qu'on appelle les Jésuites, et Jésus de la compagnie de Jésus, ils avaient créé une compagnie de Jésus. Et cette compagnie de Jésus leur a permis de faire valoir leur manière d'être, leur civilité. On a besoin de la civilisation, une civilisation qui n'est pas appropriée. D'où Papa Simon Kimbangu, d'ailleurs, vient réapparaître en Afrique, en plein 19e siècle, pour dire non, 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 attention, c'est pas le vrai. Et Papa Simon Kimbangu prend le flambeau de vrai Christ Jésus, Papa Dialungana Kimbangu. Alors donc, je dis, de Roma, là, il vient à Mbaza Kimbangu, Emmanuel Makambo, Brazzaville, à l'époque. Il va faire des choses inappropriées. Et d'ailleurs, l'histoire nous remonte qu'à l'époque, il y avait un abbé qu'on appelait Xor, un champion de la fornication. Et lui également, champion de ces actes-là. Il s'est révélé dans le mal. Il s'est qu'il se loquelait dans le mal. Mais heureusement, Dieu est prévoyant. Et donc, s'il vous plaît, enfin, pour faire l'historique, nous allons devoir repartir dans l'histoire, remonter le temps. Si j'ai commencé par Papa Diangenda Kuntima, je vais encore poursuivre par lui, parce que c'est lui le grand orateur, le grand enseignant qui nous a préparé avant l'arrivée de son père, Papa Simon Kimbangu. S'il vous plaît. Alors, au revoir donc, Papa Diangenda Kuntima. On va écouter Papa Fumalongo, ce jour-là, dans cette paroisse dite de Niangara, ce que Papa Diangenda va nous dire, avant de poursuivre, parce que cette conspiration internationale pour infiltrer le sanctuaire, le Saint de Saints, c'est-à-dire cette divine qui est venu pour restaurer l'humain dans cet premier. Mais Shaitan, qui ne dort pas, avait voulu continuer sa pratique en infiltrant la postérité de Tata Kimbangu. S'il vous plaît, allons d'abord voir Prof. Longo ce jour-là à Niangara, ce qu'il dit, et puis nous allons revenir. Parce que les pratiques de cette entité-là, qui s'est révélée dans le mal, c'est-à-dire qui sont loquelées dans le mal, étaient préconçues. Parce que Papa Simon Kimbangu Diangenda Kuntima dira Mbala Mosusu Gratine Italie, s'il vous plaît. Allons voir. On va demander à la régie. S'il vous plaît. Allons voir Papa Diangenda Kuntima d'abord, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
S'il vous plaît, les moyens techniques, nous créons le désarroi. Je vais revenir. Parce que c'est assez fondamental pour en parler aujourd'hui, parce que demain, ce sera une inauguration de ce fameux temple de Niangara, où Papa Simon Kimbang avait son baptême à l'époque, et aujourd'hui, ce temple va pouvoir être mis en place. S'il vous plaît. Suivons, s'il vous plaît. Je remets le texte parce que c'est important. Suivons. Voilà. Papa, vous m'en avez dit que vous avez l'omnipotent, l'omniscient, l'impression de cet esprit dit Mbala Monson Latine en Italie. Et comme par hasard, c'est en Italie où ce dernier sera choisi par ceux qui ont décidé de nuire à cette essence divine qui est venue pour restaurer l'humain, pour dégager, pour arrêter Lucifer, Shetan et Kalyan Pemba. Suivons ce que dit le docteur Bitovuidi à ce propos de cette conspiration, parce que il n'est plus que jamais nécessaire. Paul, le faible, d'ailleurs, son sort est scellé, parce que de par son prénom, Paul veut dire faible. Alors, s'il vous plaît, allons voir ce que dit le conseiller de sa divinité à ce propos pour nous. Pour être plus à l'aise à ce propos. Parce que il est plus que jamais. Parce que Papa Fumo Longo, demain il ira à Nyanga. Et là-bas, le slogan là, que les gens avaient disposé pour faire croire que Kit Yanen. Et Papa Dianguenda Kuntima, allez suivre s'il vous plaît. Ce tour de Papa Dianguenda Kuntima à Nyangara, quand il avait parlé du grand marabout. Quand par hasard, c'est dans cette paroisse là, ce jour là, qu'il a fait de retracer certaines pratiques occultes. Franc-maçon, rose, comme Igari, les maraboutis. C'est là-bas qu'il est allé détailler les faits de l'occultation des pratiques. Les gens font, en fait, dans le cachet. Et Papa Dengenda, ce jour-là, évoque tout cela. Je allez sur mon compte YouTube, Godidia Congo. Vous aurez ces images-là parce que je l'ai posté. J'ai retrouvé l'archive et j'ai essayé d'éclairer. Donc, demain, Papa Fumolongo, Simon Kimongiangani, dans sa paroisse, il a été baptisé, il va devoir se dégager de cette chaise-là. Cette chaise maléfique que Duka veut dire quitte. Papa Dengenda dira, on la verra en Italie. Suivez ce que dit le docteur Bitovuidi à ce propos concernant ces pratiques occultes et la conspiration le système international que vous avez planifié pour nuire à Tata Kimbang. Suivons s'il vous plaît le conseiller de sa divinité. La succession. C'est-à-dire, la dissidence est arrivée parce que la succession. Cette partie, beaucoup de gens. Surtout moi, j'apprends, j'étais sabonné, tout le temps j'ai lu, mais ça ne me touche pas. J'ai toujours dit non, ils n'ont pas tort. Ils sont mes frères. Quelles que soient les injures, s'il faut manger, je mange. S'il faut dormir, je dors. S'il faut rire, je ris. Ce n'est pas de leur faute parce que
ils étaient déjà récupérés. Les origines de cette affaire-là de l'Église humaniste, la dissidence, mais a commencé en 1921. L'Occident, quand il a vu qui. Oh, quand il y a un pays, quand il y a un monde, quoi? Des partis qui m'envoient récupérer la situation. Ah, mais il ne pouvait pas laisser son fils qui a témoigné devant l'Occident. Est-ce que vous pouvez comprendre à l'âge de 7 ans? Les conseils de guerre à l'époque, ce n'est pas d'aujourd'hui où vous allez négocier. De 1921, que représentait l'homme noir à cette époque-là? Il est encore, je ne sais pas. Si jusqu'aujourd'hui vous allez dans certains coins de notre pays ou d'Afrique, il n'y a même pas de route. Ils ne connaissent même pas le vélo, encore moins la voiture. Mais à 21, l'enfant qui a 7 ans, témoin de son père, de ses actes de puissance qu'il a posés. Ah, mais le plan Derossi n'a pas marché le monde, il a tapé sur la table. Parce que Derossi, c'était l'Italien, mais il connaissait bien le Congo. Il était en Équateur, plusieurs fois en Équateur, plusieurs fois partout. C'était militaire, c'était lieutenant, au service du roi Léopold. Excusez-moi, le moyen technique, je vais pouvoir ajuster l'image parce que la qualité n'est pas bonne pour l'instant. Donc, s'il vous plaît, je vais pouvoir m'arranger pour voir pour regarder ça. Ah là 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 là, c'est pas possible ça. Donc, je disais, c'était le conseil de la divinité, Franck Malongo, c'est moi qui m'en tiens, qui essaie d'expliquer le fameux. Suivant, on va faire le retour, s'il vous plaît. C'est important. Encore moins la voiture. Mais à 21, l'enfant qui a 7 ans, témoin de son père, de ses actes de puissance qu'il a posés. Ah, mais le plan Derossi n'a pas marché le monde, il a tapé sur la table. Parce que Derossi, c'était l'Italien, mais il connaissait bien les Congo. Il était en Équateur, plusieurs fois en Équateur, plusieurs fois partout. C'était militaire, c'était lieutenant. Au service du roi Léopold. Eh bien, les dangers ont dit, ça y est. Donc, même sur la réalité, son père aimait la succession. Et c'est comme ça, ils ont fait des réunions monstres, machiavéliques. Depuis le bon moment où il était gardé, papa qui se recule, il a souffert, et ça, il me le disait. En des termes que Zako, vous savez, j'ai connu ce que vous n'avez jamais vu, la misère. Sept ans, je ne connais personne. On m'abandonne. Parfois, on ne mange pas. Des conditions invraisemblables. Des tortures à l'âge de 7 ans. Il a reconnu les tortures physiques. Il a reconnu les tortures morales, psychiques, mentales. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Papa Dianguel, jeune qu'il était encore, ils ont tout fait stratégiquement pour l'amener encore. Comme je disais, il aurait fallu arrêter les chevaux parce que c'est lesquels qui étaient restés à la base pour surveiller une cambe, les sièges internationaux plus tard. Ils n'ont pas fait parce que c'est un peu de la métaphysique en ce moment-là. Donc il est, papa Simon Diman est allé au-delà de la science. Et c'est comme ça. Vous savez, c'est simple ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne veut pas voir les enfants de Simon Kibang être héritiers spirituels. Regarde, ce que nous disons, ce n'est pas parce que c'est quoi, mais nous avons, parce que ce sont des lettres que nous avons, toute la documentation de l'époque maintenue à nos jours. Des réunions impossibles à bon. Ils vont faire venir en 1926 des missionnaires catholiques protestants des haines écrits massivement pour faire des enfants de Simon Kimbangu des catholiques modèles. Le nœud
Papa Kisorokele doit devenir choriste puis responsable de la chorale. Donc, avant de chanter dans leur messe, vous savez, c'est bizarre. C'est le fils de Papa Simon Kimbangu qui doit chanter. Papa Diangena, on doit faire de lui responsable de la jeunesse, c'est-à-dire le scoutisme. Tous les enfants de Pont, leur top, leur chef était Papa Diangena, en ce qui concerne le mouvement des scouts. Et objectif, ne jamais accepter que ces enfants deviennent des héritiers spirituels. De deux, jamais accepter que les Kimbanguistes, tous ces 37 000 familles qu'on a été condamnées, puissent obéir à eux. De trois, on doit tout faire. Ce n'est pas seulement déstabiliser l'Église, l'œuvre de Simon Bankera, c'est effacer, anéantir. C'est le chemin que nous avons. Il y a de ces documents-là, le jour J où Dieu voudra, je crois que ça va vous faire réfléchir que ce n'était pas facile à l'âge de 7 ans, 5 ans, 3 ans à l'époque. Et ils ont souligné qu'il faut tout faire qu'ils puissent perdre les traces de leur papa et tout ce qu'il a fait. Quand au Kimbanguiste, manipulez-les, les opposer aux enfants de Simon Kimbangu. Et créer des dissidences, comme ils étaient tous, il y avait seulement deux églises à l'époque. C'est l'église catholique et l'église protestante. Et comme tous ces fidèles qui s'étaient devenus des Kimbanguistes étaient d'abord leurs fidèles, et c'est comme ça même, vous allez remarquer, dans notre pays, vous avez déjà vu un cardinal au Congo, du Congo central. Et nous sommes du Congo central ici. Et bien, posez-vous la question, pourquoi? Et bien, c'est parce qu'ils ont compris que tous ces gens-là, du Congo, bien qu'ils sont prêtres et consorts, mais chaque nuit, ils vont en Cameroun. Ils ont des certains dangers. Et c'est comme ça, il n'y en a pas. Donc, voilà, la dissidence était devenue un système, c'est-à-dire la stratégie occidentale, cette machine-là, ils ont lâché dans les bancs-collés. Et c'est comme ça. Beaucoup de Bankole, depuis qu'ils s'en allaient, Lubumbashi, là où ils étaient, ils étaient devenus chrétiens. Les protestants encore, ils rentrent chez les catholiques, ils rentrent, moyennant l'argent, manipulation, tout comme ça, s'opposer à Simon Kimbangu. Et c'est comme ça, aux années 1960, je crois que les véritables Kimbanguistes connaissent l'histoire, ce n'est pas les Kimbanguistes d'aujourd'hui, parce qu'ils ne connaissent pas. En 60, pour que Papa Diangena qu'il soit accepté, je dis bien par le blanc, et que c'est lui le chef spirituel, il aurait fallu que les Kimbanguistes haussent le ton. Ils l'ont gardé dans l'administration coloniale où il était secrétaire, commis. Les lèvres, écoute, libérer l'église de son père, et là vous avez reconnu, mais c'est lui le chef spirituel. Non! Papa Lèvres qui écrit la démission, je démissionne, il dit non, ne démissionne pas, reste seulement avec nous. C'était la guerre! C'est parce qu'il ne voulait pas qu'il soit successeur. Que ce soit Papa de Sorokele, Papa d'Alumba et Papa d'Angel. Et pourtant, c'est Papa d'Alumba qui avait signé l'acte de reconnaissance avec le pouvoir belge. Voilà l'ironie du sort. C'est lui qui l'a laissé, qui n'a pas étudié. C'est lui qui doit signer l'acte de reconnaissance qui dit l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon. Vous voyez la remise de prise
comme j'ai dit, il aurait fallu emprunter que les autres puissent faire allusion à la métaphysique pour comprendre la dimension de Papa Simon Kimbangu. Il était au-delà d'eux parce que ils n'ont pas arrêté. Ils ont pris leur papa et ils croyaient que c'était fini. Ils partent à l'est du pays. Et lui, papa de Lungana, on lui dit, il n'a pas vu. Et d'ailleurs, dans certains écrits, les garçons là qui sont restés, les garçons là, c'est les derniers. Ils croyaient que c'est lui le dernier. Eh bien, c'est lui qui va signer l'église de Jésus-Christ. Comment? Pourquoi on n'a pas d'église sur la musique? Dis-moi non. C'est l'église de Jésus-Christ. Et qui va signer ça? Ça ne devrait pas vous faire le cœur. Non, non, non. C'est lui qui est au village. Mais il n'a pas signé l'église. Lui qui va signer. C'est son église. C'est ça. Donc, bref, je vais me surprendre de lire. Donc, je disais, il faut beaucoup de minutes pour bien comprendre votre ancêtre, notre ancêtre, comme Papa Simon Kimbangu. On doit le porter. C'est dans ce moment-là que l'Occident va nous respecter. Nous n'avons pas une identité qu'on ne nous trompe pas. Quelle identité de plus? La vague des indépendances aujourd'hui. Nos États dans les relations internationales tous. Il n'y a pas de diplomatie. La diplomatie a été faite par Papa Simon Kimbangu à travers ses enfants. C'est Papa Daniel, le Papa Sorokin, qui ont donné l'argent à M. Croquet. M. Croquet, c'est un sujet français. C'est lui, maître, avocat, Pascal et Pape. C'est le PACO qui était le parti politique le mieux organisé, structuré, et que c'est lui qui devait demander l'indépendance, réclamer l'indépendance. Et si le PACO seul ne pouvait pas, ils étaient tous les temps, tous les mis en cam, à Tchéna Boma. C'est papa qui se reconnaît parce que le roi, le Bobin premier, c'est ce qui a été conclu par rapport aux retombées de 1921 de Siavrée, le grand-père avait dit à son fils qui s'orgueille, c'est toi qui dois aller le voir. N'allez pas poser des questions, vous me dites seulement, est-ce que vous êtes d'accord de nous donner l'indépendance spirituelle avant l'indépendance politique? Oui. Est-ce que vous allez nous donner l'indépendance politique? Oui, mais quel jour, quelle date et quel mois? Et pour les Noirs du monde, et pour la sous-région, parce que c'est la Belgique, qui était l'investigateur, c'est lui. Et par la Belgique, tout a été accordé, et c'est Papa Simon Kimbangu. C'est comme ça, si vous négociez avec Papa Simon Kimbangu, ça valait. Les compteurs, ce sont des échecs. Bref, la dissidence, c'est la machine occidentale qui est restée pour continuer à paralyser. Pour preuve, ils ont dérangé Papa qui sort le pays. Ils ont dérangé Papa Daloumara, Papa Daniel. Et Papa Daniel, pour qu'il devienne chef spirituel, c'était sérieux, c'est grave. Les ouvrages sont là. Et alors, la dissidence, c'est depuis aux années 1980 que les papas nous disaient qu'il faut faire attention avec tous ces gens qui nous entourent. Papa, pourquoi? Ils sont dangereux. En aimant une coupe, ils sont dangereux. Quand vous allez parler avec l'autre, il vous appelle bien. Écoute, c'est ton ami, vous vous connaissez comment? Attendez, ne le fais pas. C'est-à-dire, les parents nous préparaient. Ils savaient qu'il doit avoir du sang. Ils n'ont pas craché. Ils nous ont dit, vous êtes déjà une fille. Papa Daniel a dit, parmi vous déjà, il y a des sorciers. Papa Mbanda disait, parmi vous, il y a des gens qui souhaitent ma mort. Et quand nous nous serons pris, la guerre va commencer. Ici, au centre d'affaires, tous les Kimbangus le savent. Ce n'est même pas une fille. Papa Daniel apporte deux paires de chaussettes. Il dit, ça va commencer dans ma maison, ce que le papa avait dit. Et Papa Lek a fui mon coteau, il est venu dormir ici. Il a dit à tout le monde que maintenant je suis alors locataire, ici au centre d'accueil. Papa, pourquoi? Mais c'est parce qu'il a déstabilisé toutes mes installations spirituelles, avec lesquelles je communique avec mon père. Donc, mais tout le monde savait qu'il y a un successeur. Et que Papa Simon Kimbangu doit être le successeur
de leur papa. Tout le monde le sait. Il les savait tous parce qu'il avait dit ça en 1951. Mais parce qu'il y avait la pression occidentale, et voilà pourquoi la dissidence n'est pas soutenue par d'autres personnes, mais c'est l'extérieur. La dissidence est soutenue à l'extérieur. C'est l'Occident. C'est ceux-là qui sont venus, ce sont eux qui soutiennent. C'est planifié depuis là-bas. Et comme les parents nous ont avertis, on a pris les dispositions. Donc ça, nous avons dit, nous n'avons pas peur parce qu'ils ont tout planifié et nous savons là où nous allons. Il n'y a pas de crainte. Il y a le chef spirituel, la succession continue. Je dis et je finis. Vous avez vu l'oracle, l'intervention de notre papa, le docteur Zakobutu-Willy, général, qui a éclairé l'antenne. Tu disais que ma communication de ce soir, c'était par rapport à l'événement de demain. Et Niangara, vous savez ce que c'est que Niangara. Je vous ai fait état de ce imposteur, cet intrus, hein, qui s'est révélé dans le mal. C'est-à-dire que Ngimbi Paul Barthélémy, Ngizulu Ambi. C'est-à-dire que Waïsa Bunza, Ngizulu Ambi. Un infiltré. Papa Dengen a dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, Papa Dengen a dit que Malamoussou a tiné na Rome, na Italie. Et c'est en Italie qu'il a été choisi. Donc, cette pratique occultiste, parce qu'il fait valoir ses capacités d'action, de construction. Mais Papa Simon Kimango un jour dira, Mongoana, Yébé Sika et Mouta. Mais moi, Mokolomoussou, je vais voir. Donc, cher Papa, c'est le moment, vous devez prendre beaucoup de temps. C'est vous dire que demain, c'est un grand événement. Niangara, Papa Simon Kimbangu, je résume, c'est là-bas qu'il avait été baptisé. Papa Nyangenda Kotima, son 105e anniversaire. Au 105e anniversaire. Bukama, qui est au 100e baptême. Et là, le temple de Niangara sera donc inauguré demain. Nous reviendrons peut-être, si Papa Simon Kimbangu le permet, pour faire état de ce genre de choses concernant cette disposition. Merci. C'était une communication donc du Média qui. Nézobaka. Et bien, tout bien. Tosa. J'ai qui? N'oubliez pas l'événement, s'il vous plaît. Je vais vous parler parce qu'on est dans le mois de. Longo. Ce sera dans quelques jours. Ngoudiami en Longo. Nous disons cela pourquoi. Nous savons les explications. Un jour, parce que facilement, Mangou le dira à Matasanda en 2003. Il a tout voué, il dira à Betoa Bolé. Ah, tata. Pas passé moment. Merci. J'ai sa divinité, Tata Kimbangu. Kuntima, Tiangani, le patron de la quatrième et de la génération. À très bientôt. Au revoir.